Salut toutes téléspectatrices et téléspectateurs télévision H-Live, qui c'est première chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Ou avec présentatrice pour là, Naomi Jean-Baptiste, moi content, moi la caillou aujourd'hui. Moi venu avec une nouvelle tout chaud pour vous, ça fait que vous content en pile. 24 et 25 décembre, restez branchés sous télévision pour là pour une édition spéciale, une émission spéciale Nourel. Ou qu'on s'allie déjà H-Live TV. On a respect la société, on a respect à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, télévision H-Live, qui est la première chaîne de télévision haïtienne d'Europe. C'est avec un pile plaisir pour montrer la caillou Josian, mais en édition spéciale Nourel. Premièrement, Mabdio, joyeux Noël. Ou même qui chita à table, cap manger, soit entre amis, soit en famille, soit tout seul. Mabdio, joyeux Noël. Ou avec présentatrice pour la Naomi Jean-Baptiste. Dans l'édition, nous pourrons recevoir plusieurs artistes, plusieurs personnalités, plusieurs présidents d'associations. Et on a commencé avec une grande dame qui a fait un travail énorme dans la communauté haïtienne de France, l'Irélie Madame Emeline. Et c'est présidente de l'association Haïti pour l'avenir que nous avons salué immédiatement. Bonsoir Madame Emeline. Bonsoir Naomi, bonsoir tout le monde qui a regardé H-Live TV. On dirait que la caillou. Alors, Marie-Méoline, font-ils parler avec les téléspectateurs, dis-nous exactement qui est souillé et qui travaille ou a fait dans la communauté haïtienne de France, non? Avant de commencer à parler sur la fête Nourel. Naomi, comme vous déjà dit, je suis Madame Joseph Marie-Méoline. Moi, c'est présidente de l'association Haïti pour l'avenir qui est installée directement à Stan. Association Haïti pour l'avenir, c'est une association qui est créée depuis en 2013 pour subvenir aux besoins des enfants en Haïti. Nous entreprenons plusieurs activités, et par exemple scolarité, santé, culture, et nous pas gagnons côté, nous pas gagnons point. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans l'entraille émission spéciale Noël. Qui ça Noël représente pour vous? Noël, Naomi, c'est la joie, c'est gaieté. Dès pour parler de Noël ou parler de fête. Pour moi-même, Noël, c'est, je dit, c'est la plus grosse belle fête qui gagne dans une année. Est-ce que Noël, c'est fête de tout le monde, ou c'est fête de grand monde, ou c'est fête de tout le monde? Pour moi, Naomi, Noël, c'est fête de tout le monde, sans distinction. Grand monde, tout le monde. Mais le regard de Timoun, Noël n'a plus semblé ensemble avec lui. Parce que Timoun, il a une activité dans lui, les Noël arrivés, pendant le cas de moins, il a Timoun, comme on a fêté Noël. Et autrefois, nous avons fait décembre. Et pour nous entrer en décembre, nous avons pile importance, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Oui. Noël, c'est partage. Alors, Noël, c'est partage. Exactement, c'est la joie, c'est vivre ensemble, c'est rencontrer en famille, en amis, et pour nous faire un pile bagaille, un pile belle activité. Pour moi, Noël représente un paquet de bagaille pour moi, Naomi. D'accord, merci en pile pour le foncelan. Et moi, sûr et certain que, au même cas que la télévision, qu'on y a, que Noël a représenté le même bagaille pour vous que Marie et Mérine. Alors, question qu'on y a, c'est comment et Marie et Merline te kon fêté Noël li en Haïti dans zone Koto Sotia dans Jérémy. Naomi, l'homme te jeune, moi t'appelé venant fils Jérémy. Oh là là, c'est un bagage que m'pa kab expliquer. Depuis autant de fin novembre arrivé, nous même petit monde, nous commençons à faire petit boîte secret pour nous sembler discord. 20 cobs, 50 centimes, yon goud, pour nous faire. Sans ouvrir les boîtes secrètes, c'est comme yon tirolier. Exactement. Okay. Et pour nous sembler, pour les décembre arriver, pour nous fêter Noël. Nous te qu'on fait, et dans le village, yon bagay qui les raf. Raf? Raf. Mm-hmm. Comment nous te qu'on fait,
et nous achetons des cartons de jouets, nous mettons une table exposée, nous mettons poupées sous lit, poupées, nous mettons des tasses, nous mettons un gros pot de l'eau dans notre table, nous mettons un bouchon cola à l'intérieur, et que soit un monde vienne laguer un syncope ou bien un monde vienne laguer une tasse, des petites tasses là tombées au milieu bouchon cola, nous n'en gagnons. Et puis nous t'ai fait des petits papiers accordéon. Nous t'ai mettre dans une petite boîte. Si on vient ou ap jouer, ou prend un petit papier et puis ou bail un goud ou bien 50 centimes. Si on ouvre li, là ouvre li ou ka joine bonne année. Là joine bonne année, c'est que ou perdu. Ou bien ou ka joine une goude, met table qu'on y en bon un goud. Okay. Ou bien ou ka joine une poupée, met table bon une poupée parce que tout jouet ça yo, ah c'était vraiment bien. Tout jouet ça yo t'es conn sous table là. T'es gen bagaille t'es conn relé puis de toile pour n'ap voyer li gagner un puis de toile. Puis de toile là c'est que ça. C'est un petit m'ka dit c'est un moi gagne ici aussi. C'est un petit fer et que ou li men li et puis li fait feu. C'est comme un voilà, feu d'artifice. Ou pétard? Non. Il y a pétard, il y a pile d'étoiles. Ok. Pile d'étoiles, là, c'est un bagage qui fait. T'as un petit crayon, t'as un petit plume poule. Et puis, mais au bout, il y a une série de petits aluminium là-dedans. Et puis, là, lui-même, il fait. Il brille. Noël était tellement intéressant pour moi quand j'étais petit, Naomi. C'est pour cette raison, jusqu'à présent, moi, grand monde, moi, toujours kembe avec ce Noël-là. Moi, je voulais fêter Noël ici. Avec les adultes et les enfants qui fait toutes les années moi organiser réveillon Noël haïtien. Et qui joue réveillon Noël ça passe en France et qui côté? Moi fêter le tout chaque fin d'année, c'est à Stan. Et année on a fêté le 28 décembre. Toujours à Stan. Merci beaucoup madame Marie Emeline. Alors dernière question pour vous, c'est qui Noël vous préférez? Est-ce que c'est Noël en France ou est-ce que c'est Noël en Haïti? Ou à Paris? Obligé. Naomi, pas même besoin de poser une question. Noël Haïti. Merci beaucoup. C'était Madame Marie Emeline, présidente de l'association Haïti pour l'avenir.